Salut tout le monde, c'est Fizz. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Autodoc pour répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. La vanne EGR, à quoi ça sert? Avant de répondre à la fameuse question « à quoi ça sert la vanne EGR ?», déjà, qu'est-ce que c'est la vanne EGR? La vanne EGR, pour vous faire simple, c'est un petit clapet qui va rediriger en fait vos gaz d'échappement. On les retrouve principalement sur les moteurs diesel, même si maintenant on a des moteurs essence qui en sont équipés, mais ça reste quand même très rare. Hein. 99% des voitures qui ont... Bonjour Myrtille, tu me coupes là hein? Allez, file. 99% des voitures qui sont équipées d'une vanne EGR sont des diesels. La vanne EGR, c'est apparu dans les années 70-80 aux États-Unis et ça équipe maintenant tous nos véhicules diesel et c'est même obligatoire sur tous les véhicules diesel qui sortent de nos jours. Mais vous allez me dire quand même, le petit clapet là, il sert à quoi? Sur les diesels, la vanne EGR, elle va être chargée de rediriger les gaz d'échappement. En gros, elle va devoir les faire refroidir. Donc on prend les gaz d'échappement qui sont chargés en oxyde d'azote, le NOx, je crois que c'est ça. Et on va les faire recirculer dans le moteur. Donc pour ce faire, la petite vanne, elle va s'ouvrir, elle va rediriger le gaz dans le circuit d'admission et ça va refroidir le gaz. Donc on a des gaz d'échappement qui sont ensuite beaucoup moins chargés en oxyde d'azote, donc qui vont moins polluer. Donc vous l'aurez compris, la vanne EGR, ça sert tout simplement à moins polluer. Ah, et puis j'ai oublié de vous le mentionner, la vanne EGR, elle est pilotée par l'ECU, donc l'ordinateur de la voiture. C'est le cœur même de la voiture qui gère cette vanne EGR, donc l'ouverture et la fermeture. Et vous allez voir, on en parlera un petit peu après. Si jamais elle fonctionne pas bien, ça peut mettre en danger tout le véhicule. Mais je vous vois venir, vous allez tous me dire, mais la vanne EGR, pourquoi ça coûte aussi cher? Et oui, une vanne EGR, c'est cher. Ça peut aller de 100 à plusieurs centaines d'euros. Sur certains véhicules, on peut atteindre les 600-700 € sur juste la pièce. Mais ce qui coûte également très cher, c'est la main d'œuvre. Parce que pour changer une vanne EGR, c'est pas simple du tout et il faut à chaque fois reprogrammer le moteur. Quand je dis reprogrammer, ça veut dire faire une réinitialisation ou lui expliquer que la vanne EGR est neuve. Mais déjà, pour éviter d'avoir à changer la vanne EGR, il y a certaines techniques pour l'entretenir. C'est bien connu, vous avez déjà sûrement entendu des gens dire « il faut décrasser le moteur, il va s'encrasser, tu roules pas assez ». Oui, un diesel, c'est fait pour rouler. Quelqu'un qui a un diesel et qui fait que de la ville à 30-50 km/h, qui monte jamais dans les tours, la vanne EGR risque de s'encrasser assez rapidement. Mais l'encrassement, ça se passe comment? Bien tout simplement, ça va être la calamine, on va appeler ça, ou de la suie. Les gaz d'échappement qui sont pas assez chauds vont déposer de la suie. Ça risque à terme de ralentir ou bloquer même le clapet de la vanne EGR. Une technique toute simple pour décrasser son moteur, donc éviter qu'il y ait trop de suie qui s'accumule au niveau de la vanne, c'est de tirer dedans, tout simplement. Pour ça, vous prenez une petite portion d'autoroute ou de voie rapide, vous faites bien monter le véhicule dans les tours et ça va le décrasser tout simplement. Les gaz vont monter en température et ça va permettre de brûler la suie qui a pu s'accumuler sur la vanne et dans le collecteur. Pour vous parler un peu plus précisément, alors ça c'est un véhicule essence qui n'est pas équipé d'une vanne EGR, mais je vais pouvoir vous montrer à peu près comment ça se passe. En gros, ici vous allez avoir le collecteur d'échappement et ici vous allez avoir l'admission. En gros, ce qui se passe avec la vanne EGR, c'est les gaz d'échappement, ils sortent par ici. Donc le collecteur, là c'est un 4-2-1, c'est pas comme vous avez sur tous les véhicules. Là, le collecteur, il permet de répartir le flux des gaz qui sortent de chaque cylindre, chaque piston. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, c'est un 4 cylindres. Et ici, on a donc l'admission, je disais, les gaz, ils vont sortir par là. Il y a la vanne EGR qui va être un peu plus loin cachée et elle va tout redistribuer, voilà, dans le circuit d'admission pour refroidir les gaz. Où est-ce que j'en étais? On parlait de décrasser sa voiture. Donc oui, je disais, pour décrasser votre voiture, vous faites une pointe et vous montez bien dans les tours. Pas forcément obligé d'aller jusque dans la zone rouge, mais vous montez bien dans les tours pour faire chauffer les gaz d'échappement et brûler toute la suie qui pourrait obstruer la vanne. Oui, d'accord, j'entretiens ma vanne EGR, etc. Mais si jamais elle est encrassée, comment je le sais? Il y a plusieurs signes qui vont déterminer une vanne EGR encrassée ou non. Déjà, le premier signe qui peut apparaître, c'est une perte de puissance. En gros, vos gaz vont pas être bien redistribués. L'ordinateur de bord, le CU, il va se mettre en défaut et il va dire, oula, il y a un problème, on bride la puissance de la voiture. Là déjà, si vous avez des pertes de puissance comme ça, ça peut venir de plein d'autres choses, mais ça peut être une des choses qui peut vous alarmer. Donc soit vous essayez de le décrasser un petit peu, mais à mon avis, quand c'est comme ça, c'est un petit peu trop tard. Sinon, vous pouvez aller chez votre garagiste pour faire un diagnostic. Le garagiste, il peut vous faire un diagnostic. Normalement, il n'est pas censé vous proposer de changer la vanne EGR immédiatement. Il doit vous proposer un nettoyage. S'il vous propose tout de suite de la changer, méfiez-vous un petit peu, car la plupart du temps, c'est pas obligatoire de la changer, il faut juste un bon nettoyage. Pour la nettoyer, ça se fait donc avec plusieurs produits. Soit vous pouvez le faire vous-même avec des produits entre 15 et 30 €. Vous mettez dans le réservoir, par exemple. Après, votre garagiste peut vous proposer un nettoyage à l'hydrogène. En gros, il injecte de l'hydrogène directement dans le circuit de la voiture et ça va permettre de tout nettoyer.
Et ensuite, si vraiment c'est impossible de la nettoyer, là oui, il faudra faire changer la pièce. Je vous conseille de laisser la tâche à votre garagiste parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Et surtout après, il faut reparamétrer le calculateur en lui disant voilà, la vanne EGR est neuve, tu peux repartir. Et ça en général, c'est fait par la valise du constructeur. Et oui, changer une vanne EGR, ça peut être très très long. Il faut en moyenne entre 2 et 4 heures pour le faire. Et si jamais elle est grippée ou qu'elle est bien trop encrassée, ça peut mettre beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que c'est cher. J'en parlais tout à l'heure, les véhicules essence aussi peuvent être équipés d'une vanne EGR, même si c'est beaucoup beaucoup moins courant. Les véhicules essence, eux, ils ont un catalyseur et ça remplit le même rôle que la vanne EGR. Voilà, c'était Fizz pour Autodoc. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres sujets et vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Autodoc, à nous suivre sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao.